Azalia, Duba, Agisa, oh. Le message vraiment c'est, nous sommes très contents, tout le staff est content, que ce soit les staff programme, les staff des orphelins et toute la population de Kao a vraiment salué l'initiative de la libération de Sophie. Vraiment, nous sommes très très contents de cette libération. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci. C'est aussi un sentiment, moi je pense qu'aujourd'hui ça mérite une autre réflexion. Nous serons très heureux qu'elle soit parmi nous, mais je pense que ça va être une relation diplomatique entre le Mali et la France, ça arrivera à tous les niveaux. Et si elle est parmi nous, ce n'est qu'un plus encore. Nous avons eu beaucoup de renforcement de capacité de Sophie le temps qu'elle a survenu à Gao. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il faut qualifier cette émotion. Grande émotion parce que Sophie, c'est la femme, bien sûr que c'est une femme qui a boosté la lutte contre la malnutrition ici au niveau de la région de Gao, particulièrement dans la commune, et puis à travers le centre orphelinat. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une joie pour nous quand même de l'avoir avec nous.